Alors là, c'est parti pour commencer pour l'échauffement articulaire. On y va, on va tourner la tête de gauche à droite, c'est parti. Voilà, on tourne la tête de gauche à droite. Allez, on y va, on se monte, on fléchit vers les jambes ici, de gauche à droite, on y va, c'est parti. Allez, de gauche à droite, on y va, on y va, on y va, on y va, de gauche à droite. Allez, la tête de temps, on y va, on échauffe bien la tête, on échauffe bien la tête. Allez, on échauffe bien la tête, on échauffe, on échauffe. Soufflez bien, voilà, pensez à bien souffler. Allez, on va venir ici travailler un petit peu. Alors aujourd'hui, on va travailler un peu plus, on peut venir un peu plus de
genou aujourd'hui. Allez, 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 allez. Une première partie de séance un peu plus tonique, ça marche. Allez, on y va ici.
Et on reprend et on pousse. Allez, 2, on pousse. 3, 4, 5, 6, 7. Gardez bien le droit. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 en bas ici. 1, voilà. 2, encore. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, allez, on va ici. 10, allez. 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Allez, on va ici. On descend et on monte avec les bras. On descend. Ça fait 2, je descends, ça fait 3, je descends, ça fait 4, je descends, ça fait 5, on souffle bien, ça fait 6, ça fait 7, ça fait 8, allez, on y va, 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 ça fait 9, ça fait 10, ça fait 11, ça fait 12, ça fait 13, 14, allez, on y va, on y va, on y va, 15 et 16. Allez, on y va, et 1, allez, 2, on pousse, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, 10, on pousse, 11, 12, 13, 14, 15, et on va pousser devant ce coup-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 11, 12, 13, 14, 15. Et hop, on va venir ici accélérer un petit peu. Voilà, on va accélérer un petit peu. Allez, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Voilà, allez, on y va. Allez, on y va, 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 on y va. Soufflez bien, soufflez bien, soufflez bien, soufflez bien, soufflez bien. 4, 3, 2, et 1, et je relâche. Ouh, allez, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule. Donc là, je déroule, on a rajouté deux exercices. On va refaire un passage, on va rajouter encore des exercices un petit peu. Pour l'instant, on récupère, on marche un petit peu, j'espère que tout va bien chez vous. Voilà, on marche, on marche, on marche, on marche. On est venu le matin, c'est un peu plus tonique. Voilà. Après, on va faire un peu de renforcement musculaire et on partira au sol après. Allez, on y va, on récupère, on récupère. Attention, on y va. 3, 2, et 1, ici, je pousse. Allez, on allonge le corps. Et 2. 5, allez, 6, allez, 7, encore, 8, 9, 10, 11, 12, 15, allez, on descend, et 1, allez, 2, 3, 4, 5, 6, attention à la position des genoux, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et 16. Allez, on y va ici, regardez, on va venir descendre. Et je pousse. Je descends. Et je pousse. Je descends. Et je pousse. Allez, on y va ici. Allez, 5. On y va ici. Descendez pas trop bas, c'est pas la peine. 7. Allez, pousse-moi avec les bras. Voilà, ici. 8, on ouvre. Travaille sur les cuisses. 9. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle, j'inspire, allez, encore 3 ici, allez, 14, 15, et 16, allez, je relâche, et 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 10, allez, 11, 12, 13, 14, 15, plus devant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Encore 11, 12, 13, c'était bien. 15 et 16, je monte. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8.
11, 12, 13, 14, 15, et 7, la flex d'accélération, on est trop vite, hop, la flex d'accélération ici, avec les bras ici en bas, on souffle bien, on souffle, soufflez bien, voilà. Allez, on relâche tout doucement, regardez ici, je touche, je lève, je touche mes genoux, je lève, fesse en arrière, je lève, fesse en arrière, on lève, descente, remonte, descente, remonte, descente, encore, allez, 8, 9, 10, allez, on y va, 11, 12, allez, on y va, 13, 14, 15, et 7, on va venir ici, hop, petit mouvement boxing, allez, petit mouvement boxing, on y va, souffle bien, voilà, allez, encore, allez, on relâche tout doucement, On marche un petit peu. On a le droit d'aller boire un petit peu d'eau, hein, messieurs, dames. Allez boire un petit peu d'eau. On va faire un peu de renforcement musculaire, mais en version un peu plus dynamique. Voilà. Mais on va pas garder la même cadence. Alors, on va commencer par un travail des cuisses. Donc, le travail des cuisses, c'est... Je viens descendre ici et hop, à chaque fois que je monte un genou, je descends dans la position des cuisses, donc on n'oublie pas les pieds largeurs des épaules, les fesses ici, et 1, voilà je descends, 2, voilà ici, quand je descends, sur la remontée, je lève un genou et je touche mon genou avec mes deux mains, c'est ok, attention, dans 3, dans 2, dans 1, allez, descente, hop, je touche, descente, ça fait 2, descente, ça fait 3, descente, 4, descente, 5, descente, 6, descente, 7, encore, et 8, je relâche, allez, je récupère un petit peu, je récupère, donc là ça en fait 8, ça fait 4 montées de chaque côté, 4 à gauche, 4 à droite, et après, on va monter sur 16, ça fera 8 et 8, ça marche. Allez, on souffle, on récupère. Voilà, pensez à bien vous hydrater. Donc, on n'oublie pas, sur la position, on a bien les fesses en arrière, hein, d'accord? Bien les fesses en arrière. Ok? On a bien les deux pieds largeurs des épaules. On serre bien les abdos, on fléchit bien les jambes. Ok? Voilà. Serrez les abdos également. Voilà. Allez, on y va, mais c'est en fait 16. Ça va donner. Allez, on y va ici. Ça fait 1. Ça fait je descends. Ça fait 2. 3. 4. 5. 6. 7. Soufflez bien. 8. Encore 8. 9. Allez. 10. 11, 12, 13, très bien, 14, on descend, 15, et 16, voilà, ouh, soufflez, récupérez bien, voilà, on souffle bien. Alors, j'espère que chez vous ça va. Voilà, on va redescendre sur lui et on va essayer d'accélérer un petit peu plus la cadence, mettre un peu plus de vitesse. It's ok, mais on va pas non plus accélérer trop vite, hein, je vous rassure. Non, on va juste augmenter un peu l'allure. Donc là, on peut monter l'allure, mais sur la montée, hein, ça roule, ça va donner ici, on y va seulement trop vite. Et hop, ça fait 2, allez, on y va,
5, voilà. 6, voilà. 7, on y va. Et 8 tout simplement. Voilà, on a fait 8 tout simplement. On va récupérer. On va travailler un petit peu la taille. Sans matériel, vous allez voir. On l'a déjà fait. Voilà, il n'y a rien de très compliqué. C'est pas excessivement dur. Ok. Donc la taille, c'est ce qu'il y a ici, là, du coup, on va renforcer ça. Et après, on ira au sol, travailler encore le renforcement musculaire, les abdos, le dos, les bras, les épaules, on va essayer de travailler, voilà, de tout renforcer sur notre tapis. Donc je rappelle à messieurs dames, pour ceux et celles qui voudraient faire les cours, qui voudraient refaire les cours avec une meilleure qualité, n'hésitez pas, il y a une page YouTube, c'est Association Fernand Repère. Ça, on n'hésite pas, voilà, on peut revenir dessus. Et pour ceux ou celles qui regardent la vidéo mais qui ne viennent pas habituellement à la fin de repère, sachez que le cours c'est le mardi et jeudi. Vous avez deux séances, le mardi de 9h15, 10h15, ou la deuxième séance, 10h15, 11h15. Pareil pour le lundi, toujours deux groupes, 9h15, 10h15, 10h15, 11h15. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir, on fait quasiment les mêmes choses avec un peu plus de matériel de temps en temps. Voilà, on prend un petit café à la fin et c'est très sympathique. Donc moi je vais venir à la reprise du déconfinement, à venir vous voir ici directement et partager un petit moment lors d'une séance de fitness de gym douce. On fléchit les jambes qui lâcheraient pour les sous-fléchis et là on vient pousser et chercher les mains sur le côté. Attention à ne pas approcher le dos, puis on avant, ligne vers l'arrière. Allez, ça marche, 4, allez on y va ici. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ouais, 14, 15, et hop là, on relâche ici, et là on va travailler les poignées d'amour. Mais, dans le jargon du sport, on appelle ça les tonics. Dans la vie courante, on appelle ça les poignées d'amour. Voilà, on peut donner plein de petits surnoms bien sympathiques. Mais le plus classique, le plus courant, c'est les poignées d'amour, c'est les tonics, c'est la taille. Le plus grand, c'est les muscles de la taille, ça marche. On en a fait 16, on va augmenter, on va en faire 24, puis 32, ça marche. Ça, c'est un exercice qui est relativement facile à exécuter, donc on peut augmenter un peu la difficulté. Et là, en l'occurrence, la difficulté, c'est le nombre de répétitions qui va justement augmenter, ça marche. Allez, on souffle bien, pensez toujours à bien vous hydrater, vous voyez, moi j'ai ma bouteille d'eau juste à côté, on n'oublie pas de bien s'hydrater. On y va sur fléchis et on va les repousser. Allez, 2, voilà ici, 3, encore, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, allez, 17, 18, on souffle bien, et 20, 21, 2, 3, puis 24, et on revient ici tout doucement, on marche, on récupère. On marche, on récupère, on souffle bien. 16, 24, et il nous reste 32. Soufflez bien, soufflez bien, soufflez bien, récupérez. Voilà, donc, comme je le dis à chaque fois, on n'est pas là pour faire de la quantité, mais on est là pour faire de la qualité, on y va tranquillement, on a besoin de récupérer, le corps a besoin de récupérer. C'est de la gym douce, c'est pas de la gym tonique-tonique. Hein. On ne fait pas de la compétition, donc on peut prendre le temps un petit peu de bien récupérer. On y va pour 32, messieurs, dames, vous êtes prêts? Oui? Eh bien, super. Allez, c'est parti, on souffle. Allez, 2, 3, on souffle bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
4, 25, allez, 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 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32. Là, on est bon, on a bien travaillé la taille. On va encore la travailler au sol, hein, je vous rassure. On va encore la travailler au sol, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, n'oubliez pas, quand on se met sur le tapis, on prend la bouteille d'eau à proximité. Ça évite de se relever pour après se remettre au sol. Voilà. C'est perdre du temps et puis c'est. Voilà. C'est des choses à faire en plus. On a la bouteille d'eau. On veut voir un coup comment ça se passe sur le tapis. On voit cette petite gorgée d'eau et on repart sur le tapis. Ça marche. Allez, on y va ici. Voilà, je fais en sorte que tout le monde le voit bien. Hop, j'espère que tout le monde le voit bien. Voilà. Je vais baisser un peu le voilà. Je vais baisser un petit peu la caméra sur le. Hop là. Allez, je vais baisser un petit peu la caméra ici. Voilà, je vais baisser un petit peu. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle.
souffle, ça fait 2. Allez, on y va. Ça fait 3. Ça fait 4. 5. 6. 7. Ça fait 8. On repart pour 8, messieurs, dames. On repart pour 8. Allez. 1. 2. 3. 4. Allez, on repart pour 1. 5. 6. 7. On va repartir pour 8. Allez, c'est parti, on repart pour 8. Et 1. 2. 3. 4, tu fais bien. 5. 6. 7. On y va pour les 8 dernières. Allez, les 8 dernières. Et 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Allez, je relâche tout doucement, allez, je m'allonge, je récupère. Allez, si on peut placer les bras derrière, on place les bras derrière. Allez, soufflez bien, soufflez bien, soufflez bien, soufflez bien. Alors, on va attraper un genou, puis le deuxième. Et là, on va se basculer de gauche à droite. Voilà, on bascule, on fait un mouvement balancier. Et là, regardez ici. Hop, je vais venir ici. Paf, tomber d'un côté. La main ici supérieure, on va venir pousser ici. Voilà, on va venir se redresser ici tout doucement. Ça lâche. Donc là, on est en position assise. On est en position assise, voilà. On va récupérer un petit peu. On n'oublie pas la petite bouteille d'eau. Voilà, important de s'hydrater. Voilà, on souffle bien, on récupère un petit peu. On va mettre les deux mains ici, on va mettre les deux mains ici, hop, les deux mains derrière ici. On va venir ici avec les deux pieds devant. Regarde, on va essayer de tendre une jambe ici, d'accord? Puis la deuxième. On essaie de garder le dos droit au maximum. On ne vient pas cambrer, on ne vient pas creuser. Ça marche. On a le dos le plus droit possible. Alors, on met les deux mains ici. Hop, les deux mains derrière. Voilà, attention ici. Bon, on sort la cage thoracique et on va venir pousser. Ça fait une, voilà. Ça fait deux, on pousse. Ça fait 3, on pousse ici. Ça fait 4, allez. 5, on pousse. 6, on pousse. 7, encore. Et 8, je relâche. Je récupère. Donc là, on pousse. Voilà, on tend la jambe devant, ça marche. Toujours le dos, bien droit le dos, super. Hein. Ça vient, c'est le dos. On a la cage thoracique, on n'a pas les épaules collées à la tête, c'est pas la peine. On a les épaules dégagées de la tête. On a les abdos bien serrés. On a le dos bien droit. Ok. Et on pense à bien souffler surtout. Ça, c'est très important. C'est qu'on pense toujours à bien souffler. On ne fait pas de l'apnée. On n'est pas à la piscine. Alors, de toute manière, l'apnée, on ne va pas en faire trop longtemps. À un moment donné, on va devenir tout rouge et il va commencer à y avoir un petit souci. Donc, on pense bien à souffler. J'inspire. Et je souffle. Ça marche. Allez, on prend les deux mains ici. Hop. Et un, je pousse. Allez, on reste jusqu'à 16. 2, voilà. 3, voilà. 4, encore. 5, encore. 6, on souffle. 7, on souffle. 8, allez. 9, encore. 10, allez. 11. 12. 13. 14. 15 et 16. Allez, je récupère. Je récupère et après on va se planter jusqu'à 32. 32 où je vais tendre les jambes à chaque fois. La gauche, puis la droite.
Là, si on redresse bien le dos, on a bien les abdos serrés, on a bien la cage thoracique. Hop, bien ici, vers l'avant. Globalement, c'est pareil les abdos. Voilà, on essaie de tout contracter sur ce travail. Ok. Pense à bien souffler. Voilà, n'oubliez pas de bien placer les mains derrière, surtout. Hop là, on va mettre les pieds. Et 1, 2, 3, 4, je suis bien. 5, 6, 7, on tend la jambe. 8, on tend la jambe. 9, on tend la jambe. 10, 11, 12, 13, 14. 15, encore 16, allez, 1, on reprend ici, allez, 2, encore, 3, 4, soufflez bien, 5, soufflez bien, 6, soufflez bien, 7, encore, 8, plus que 8, allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et la petite dernière, et on relâche tout doucement. Et là, on est bon. Et là, ça fait 32, messieurs, dames. Et là, c'est impeccable. Ok, voilà. 8, 16, 32. Impeccable. On a doublé chaque fois. On a doublé les 8 et on a doublé le 16. On va faire un petit relevé de bassin. On se souvient de celui-là. Mais là, on ne va pas le faire en mode statique, mais en mode dynamique. Alors, le relevé de bassin qui va travailler, voilà, la partie basse au niveau des pouvoirs, qui va travailler les fessiers, les abdos. Allez, donc regardez ici, donc les deux pieds larges aux épaules. On a les deux mains le long du corps, et on va venir ici décoller. Voilà, décoller un petit peu les fessiers, on y va ici. Et hop, je viens décoller les fessiers, je repose délicatement. Voilà. Donc on n'oublie pas, je viens inspirer sur la descente et je viens souffler sur la montée. Ok, j'inspire, je descends, je souffle, je monte. Tout simplement. Allez-y doucement. Voilà, vous n'allez pas faire ça, hein. Viens pas ici accélérer, c'est pas la peine. Quand je suis en haut, je viens bien serrer les abdos. Pareil, je ne monte pas trop, je viens pas creuser, ni avancer mon dos. On y va. Allez. 1, je descends. 2. Et je descends. 3, voilà. 4, voilà. 5, allez. 6, encore. 7, encore. Et 8, je relâche. Allez, j'en fais que 8, pareil, je vais augmenter un peu la dose. Allez, on pense qu'on pourra bien souffler, on pense qu'on pourra bien souffler, ça c'est très important. On a toujours les deux pieds au niveau des épaules. Allez, on souffle, on souffle, on souffle, on récupère. Voilà, je vous laisse vous reposer un petit peu, j'arrête de parler 30 secondes. Hein. N'oubliez pas la bouteille d'eau, n'oubliez pas de boire un petit peu d'eau entre chaque, si on veut, si on peut. Pas toujours la bouteille d'eau à proximité, et voilà, bien, elle est là, je vais la chercher, et ma bouteille d'eau, elle est juste en face de moi, donc j'ai pas besoin de me relever pour aller chercher ma bouteille d'eau, boire de l'eau, revenir au sol. Ben voilà, c'est compliqué, donc on a la bouteille à proximité, hein, ça marche. On a les deux pieds, allez, on y va, on a les deux pieds, et une du long, je descends, voilà, 2, encore, 3, encore, 4, monte, encore, allez, 5, 6, 7, je monte encore, 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 voilà, 8, allez, soufflez bien, 9, 10, 11, 12, allez, encore, 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 13, 14, 15,
je relâche tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je sens que ça va chauffer chez vous. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre, prenez votre temps hein, sur les montées et descentes. Pensez toujours à bien souffler. Attention toujours à votre dos, ça c'est très très important. Faites toujours attention à son dos. Allez, on souffle, on souffle, on souffle. On va reprendre, on va essayer de repartir pour 32 répétitions. 32 répétitions, ça marche. Pareil, on y va, on prend son temps. On vient pas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est 1, je monte. 2, je descends. 1, je remonte. Je redescends. On y va doucement. Qualité, pas quantité. Ne pas comprendre notre vitesse et précipitation. On y va ici, on remet les deux pieds. Hop, allez. Et une. Voilà, je descends doucement. Deux. Voilà. Trois. Voilà. Quatre. Voilà, on souffle bien. Cinq. Six. Sept. Allez, on souffle. Voilà. Huit. Allez, deuxième série de huit. Une, voilà. Deux, voilà. Trois, encore. Quatre, encore. Cinq, six, sept. Allez, troisième série de huit, d'accord, on y va. Une, deux, trois, quatre, plus bien. Cinq, allez, on y va. 6, 7, quatrième série de 8, on y va, la dernière, 1, 2, 3, allez, on y va, 4, voilà, 5, on souffle, 6, 7, et 8 pour la dernière ici, et je relâche, je récupère un petit peu. Allez, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On récupère, on souffle, là. On reste allongé un petit peu, on reste allongé, on reste allongé. Pensez toujours à bien souffler, on va venir ici attraper un genou. Voilà, puis un deuxième. On n'oublie pas, regarde ici, les petits mouvements balanciers de gauche à droite, les mouvements balanciers, hop. Et là, regardez, et hop, là, ici, je viens ici, donc j'ai les deux jambes ici. La main qui est au-dessus, elle vient pousser, hop, voilà. Et là, on va mettre en position sur les genoux. Voilà, donc là, on est en position un petit peu sur les genoux, ça marche. Et là, on va placer les deux mains au sol, on va placer les deux mains au sol. On place les deux mains au sol, on a les deux pieds, voilà, les deux jambes ici. On va venir tendre une jambe derrière, voilà, tout doucement. Et on va venir ici, tendre le bras opposé. Donc ça, voilà, ça on l'a déjà fait ici. Hein. Donc ça, ça va permettre de travailler l'ensemble de la chaîne musculaire. Il y a les épaules qui vont travailler, le dos va travailler, les abdos, enfin voilà, les cuisses, les fessiers. On n'oublie pas toujours, on oppose. Si on tend la jambe gauche, on tend le bras droit. Si on tend la jambe droite, on tend le bras gauche. Ça marche. Et inversement. On y va? Allez, sur les genoux ici. On va y aller. On va commencer pour 30 petites secondes. Je tends ici et je tends un bras devant. Allez, on souffle. Donc là, plus on va serrer les abdos et plus on va être stable. Ça, c'est très important. Allez, encore, 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 je tiens, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens. Allez, je souffle. 10 secondes encore, 10 secondes. Allez, 5 secondes. Allez, je ramène tout doucement. Je peux venir ici, regardez. Petit étirement. Tout doucement, on étire, on étire, on étire. Là, je reviens ici, je change de côté, je tends la jambe opposée.
Et je tends le bras opposé pour 30 secondes de travail. Allez, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Allez, on tient. On tient, on tient ici, on tient, on tient, on tient. La position, ça marche. Allez, on tient la position, on souffle bien. Allez, on relâche tout doucement. Et là, regardez ici, je m'allonge, je m'allonge, je m'allonge. On va terminer par un petit gainage, comme on les aime. Pensez à bien souffler, voilà. On récupère un petit peu, messieurs dames, on récupère un petit peu. Voilà, très important de récupérer. On va terminer par un petit gainage. Voilà, à la cool. Enfin, à la cool, non, parce que les gainages, ça travaille quand même, hein. On le sent passer, le gainage. Donc là, vous voyez, ce genre d'exercice, ça nous a permis de travailler non seulement le renforcement musculaire, mais aussi dans un deuxième temps, ça nous a permis de travailler l'équilibre. Ça, on a fait du 2 en 1. Renforcement musculaire, équilibre, ça marche. On aurait pu décoller le pied. La jambe qui est toujours au sol, donc le pied de la jambe qui est fléchi. Mais voilà, là on est en visio, c'est compliqué, je ne peux pas regarder tout le monde. Là pour l'instant c'est déjà pas mal. Alors ici, donc le gainage frontal, comment ça se passe? On n'oublie pas sur les genoux, on vient mettre les deux avant-bras ici, voilà. Donc soit je viens dans cette position, je croise mes pieds, mes deux genoux sont au sol. Soit ici, je sens que je peux faire un peu plus dur. Vous voyez, je décroise, je pose les pointes de pied et je vais décoller mes genoux. Ça marche. Voilà, donc ça c'est les deux positions. Position débutante, j'ai les deux genoux au sol, mes pieds sont croisés. Position un peu plus évoluée, donc on va dire intermédiaire jusqu'à confirmer. On a les deux pieds croisés et les deux genoux ne touchent pas le sol. Voilà. Ce qui veut dire c'est que les deux jambes sont tendues. Ça marche. Allez, on va partir dans 10 petites secondes. On va essayer de passer dans 10 petites secondes. On va y aller pour les 30 petites secondes de gainage. Hop, voilà ici. Donc moi, bien évidemment, je vais à la position confirmée, d'accord? Allez, on pense à bien souffler, on pense à bien souffler. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. On a encore 15 petites secondes à tenir. Si à un moment donné, ça devient dur, on croise, on pointe les genoux, hein, ça marche. Et si dans la position des genoux, c'est encore compliqué, on sent qu'on ne va pas tenir, eh bien on récupère, hein, ça marche. Allez, 30 secondes, on a terminé. Ok? Donc, si je suis en position confirmée, et qu'à un moment donné, ça devient dur, on pose les genoux, on prend la version débutante. Si la version débutante, on sent que là, c'est quand même encore dur, eh bien on peut récupérer, on peut poser. C'est pas gênant de poser un petit peu avant. On n'est pas là pour se faire des, on n'est pas là pour se lancer des défis. On est là pour justement améliorer sa santé en toute sécurité. Ça marche. On est là pour justement gagner en efficacité, travailler les abdos, mais on n'est pas là non plus pour se faire mal. D'accord? Alors, le petit gainage du parachute, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'aiment pas forcément, mais celui-là est très important pour muscler les lombaires. Donc les lombaires, c'est le muscle qui a juste tous les fessiers. Et ça, c'est important de bien les muscler. On a toujours tendance à travailler beaucoup les abdos, mais pas assez bas du dos. Et ça, il y a des fois où ça peut créer des déséquilibres et on peut avoir mal dans le bas du dos. Avoir trop les abdos musclés et pas assez les lombaires. Donc là, on essaie de compenser par justement le gainage frontal pour les abdos et le gainage des lombaires, enfin le gainage Superman pour le gainage des lombaires, ça marche. Alors ici on vient s'allonger à plat ventre ici, on vient croiser les deux pieds, on vient décoller les deux jambes, on vient décoller les deux bras. Allez, on souffle. Et là on va y aller pour 30 petites secondes, c'est parti. Allez, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Allez, encore, 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 encore. Allez, 10 secondes à tenir, 10 secondes à tenir.
sur mon avenir. Allez, encore, 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 encore. Allez, on relâche. On relâche et on récupère, on récupère. On peut rester allongé un petit peu. Voilà, on peut rester allongé pour se détendre. On peut rester allongé pour se détendre, on va venir ici, regardez, en position un petit peu sur les genoux, et on va venir ici la position du chat, l'étirement du dos, on va allonger les bras devant, et pensez à bien souffler. On prend des grandes inspirations et on souffle bien, d'accord, on souffle, on souffle, on souffle. Je reviens, regardez ici, je croise une jambe, je vais tendre l'autre ici, je vais allonger ici d'ailleurs, je vais allonger. Allez, on souffle et on allonge, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge. Je reviens tout doucement. Hop là, allez, je change de côté, je change de côté. Soufflez bien, on souffle, on souffle, on souffle. Allez, je ramène tout doucement. Et là, je repars pour un étirement du dos, je repars pour un étirement du dos. Hop là! Je ramène les deux mains, je ramène les deux mains ici, je pousse. Je mets un pied devant sans me redresser. Regardez ici, je viens avancer tout doucement en gardant le droit. Voilà, on ne se met pas debout. Je reviens ici tout doucement. Voilà, je change de côté. Je reviens tout doucement, pied point derrière, j'ai mes deux mains ici, regardez, et hop, et je pousse. Et je me redresse tout doucement. Je vais venir étirer les épaules un petit peu, on étire les épaules, on étire, on étire, on étire. Allez, je relâche tout doucement, change de côté. Allez, je relâche. Je déroule mes épaules, je déroule. Je viens pousser ici, je viens pousser. Et là, je travaille un peu la souplesse. Je viens ici chercher mes pieds tout doucement. Allez, on souffle, on souffle. Fermez pas les yeux surtout. On met les mains sur les genoux, on vient fléchir, on vient s'asseoir. 1, 2, 3, 4, je m'assois et je déroule, je déroule, je déroule, je déroule. Les épaules, toujours la tête en dernier, ça c'est très important. Voilà. Quand je déroule le bas, le milieu, le haut, les épaules et la tête en dernier. Moi, mes chats, je peux vous applaudir déjà fort. Voilà. On a terminé la petite séance de jeûne douce pour ce matin. Donc la séance de gym douce qui était basée beaucoup sur un travail tonique, un travail de renforcement musculaire et un travail de renforcement musculaire également au sol. Nous, on va se retrouver jeudi pour la prochaine séance. Voilà, jeudi, on va encore baser un peu plus voilà, sur l'équilibre. On a fait ça déjà la semaine dernière, on a fait beaucoup d'équilibre. On va refaire la même chose, mais on va essayer d'augmenter un petit peu la difficulté. Vous allez voir, ce ne sera pas non plus impossible à faire. Mais on va quand même augmenter un peu la difficulté jeudi. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui. J'espère que ça a été pour vous. Moi personnellement, ça a été, ça s'est très bien passé. J'espère que vous avez réussi à faire tous les exercices. Vous avez pris plaisir et j'espère que vous avez bien travaillé et bien transpiré.
Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, malgré le vent, malgré la tempête, malgré la pluie. Voilà, faut pas perdre le moral. On se retrouve jeudi à la même heure, à 10h, jusqu'à 11h pour la prochaine séance de gym douce. Messieurs, passez une excellente journée et je vous dis à jeudi.